Je pense qu'on est en direct. Et ça y est, c'est parti. C'est parti. Bonjour les filles. Bonjour les miss. Alors, je mets les lunettes. Vas-y, ah. Babette, mets les lunettes. On lance le live. Donc, on avance. Eh bien, écoutez, moi, je me présente Babette, Miss Captain. Qui ne connaît pas Babette? Carole, vas-y. Bah, moi, Carole. Qui tu es. Alors, moi, je suis Carole. Je suis chez Captain depuis presque 2 ans. Grâce à Babette que j'ai rencontrée, qui m'a fait le grand show des vêtements. J'ai adoré et depuis 2 ans, je me régale. Alors voilà, moi je prends toutes les filles qui sont blondes hein, pour rejoindre l'équipe. Donc si vous êtes blonde, eh bien rejoignez l'équipe de Carole ou la mienne. Et non, je rigole, hein, les brunes aussi. On a beaucoup de Sophie, si vous vous appelez Sophie. Et on vous souhaite la bienvenue sur ce live. Absolument. Bienvenue à toutes. Voilà, donc, alors on a 2 téléphones parce qu'on est dans, comment s'appelle ton groupe toi? Alors l'Envie Captain Turtle. L'Envie Captain Turtle, c'est le domaine de Carole. Donc là, moi du coup, nous avons 2 téléphones les filles. Alors je dis bonjour aux filles de chez moi. Et puis celles qui ne seront pas là sur le moment du live parce que c'est l'heure où vous êtes au travail normalement. L'heure de la sieste. Oui, mais aussi éventuellement l'heure de la pause café. Donc voilà, eh bien, sinon, si vous le regardez en replay, eh bien, vous nous direz replay. Donc, bonjour Natacha, Isabelle, bonjour les miss, bonjour. Bonjour à toutes. Eh bien, nous sommes dans une ambiance de couleurs. De couleurs kaki, toutes les deux assorties. Moi, voilà. Je vais vous présenter la première tenue qu'on a choisie. Donc, si en plus je te passe devant. En virevolte. Je vous laisse avec Carole et c'est son baptême du feu. Absolument. Allez, présente-nous ta jolie tenue. Bon, voilà, là, moi j'ai choisi la robe kaki qui est robe longue bohème. J'adore, franchement. Tissu un peu crêpe. Je me rapproche pour vous montrer un peu la broderie noire qui est sur le décolleté. Donc on a un petit décolleté cache-cœur qui est très, très sexy, très joli. Voilà, elle est longue, elle a une petite fente juste devant, voilà. Mais rien de trop. Elle est fluide, elle est agréable. Elle a des petites manches volantes aussi, c'est très joli. Regardez, je vous montre. De quel côté? Avec les 2 téléphones, c'est pas simple, hein, je manque vous le dire. Voilà, et je l'ai associé avec un petit collier. Le petit sautoir que l'on a mis pour la fête des mamans. Et vous savez, c'est bientôt la fête des mamans. Mais aussi, si vous voulez faire un petit peu plus chic, regardez, on a aussi des super foulards. Voilà, qu'on peut l'associer pour le soir éventuellement, s'il fait un petit peu frais. Vous voyez, on a un verre qui est un petit peu différent, et du coup, avec un petit peu d'écru. Et du coup, ça fait tout de suite une petite touche chic. Voilà. Alors, je vous fais un petit défilé. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est plutôt pas mal, non? Et voilà, la première tenue, en tout cas. Je vais, pense, laisser la place à Babette. Alors, moi, je t'amène une petite veste pour aller avec. Une très jolie veste kaki, ton sur ton. Hop! Et voilà. Alors, je te laisse t'approcher pour montrer. Donc, si le foulard ne suffit pas pour les petites brises du soir, voilà, on a le petit gilet. Et le sautoir, tu leur as raconté? Et oui, je leur ai raconté qu'on l'avait mis en place. Il est trop beau, on l'avait mis en place pour la fête des mamans. Voilà. Et le gilet, il va parfaitement. Vous avez des manches 3/4. Voilà, donc vous n'êtes pas du tout serré. Il est très fluide. Il est super beau. Hein. T'es trop belle comme voilà. Ça. Génial. Vraiment, ça lui va super bien. Et ce kaki va aussi bien aux brunes qu'aux blondes. Ouais. Donc aujourd'hui, Carole, tu fais quoi comme taille, toi? Alors moi, je fais un 38. Et là, je porte un 40. Voilà, elle est un tout petit peu grande. Voilà. Mais ça rend très, très bien. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, vous pouvez le voir, si le décolleté est un peu plongeant. Donc pour les personnes qui ont des portines un peu plus fortes, c'est super beau. À toi, ma Babette. Bon, à moi. Moi aussi, je suis en kaki. Donc, les miss, je vous montre la veste, donc, la saharienne. Hein, donc, voici la saharienne avec, dans le dos, vous voyez, une super belle sérigraphie qui brille légèrement.
Donc là, je suis en taille 38 avec cette saharienne et il me la faudrait plutôt en 40 pour pouvoir quand même la resserrer puisqu'on a des petits stoppers et elle va avec beaucoup de choses. Elle va donner un petit côté baroudeuse à la tenue. Je porte, vous voyez, elle est doublée avec un petit peu de transparence sur le bas, une robe bustier smokée qui va à tout le monde. Je vais bien sûr enlever la veste, mais j'aime tellement cette saharienne qui donne un petit côté baroudeuse que j'aime beaucoup cet ensemble. Le sautoir n'est pas de chez Captain, mais c'est un petit clin d'œil à ma Miss Aurélie de mon équipe qui m'a gentiment offert ce sautoir. Donc, hommage à Aurélie et encore merci parce qu'il va avec beaucoup de choses. Mais on a plein d'autres petits bijoux chez Captain. Alors, je vois qu'il y a des gens, je reconnais, qui sont là. On vous dit les tailles. Donc, on dit les tailles. Donc, ça rien, je l'ai dit. Je tombe la veste. Et je porte donc une petite robe qui va à toutes les morphos, qui est smokée ici. Donc vous voyez, j'ai un soutien-gorge bustier, mais en fait, je pourrais porter aussi un soutien-gorge avec les bretelles qui se superposent. Et je la porte en taille 2. Donc comme je vous l'ai dit, je fais un 40-42, taille 2, c'est bien. Et si vous êtes une femme pulpeuse, eh bien ça va dessiner les formes, mais ça va être beau, ça va être joli, ça va être esthétique. Si vous êtes une toute fine, eh bien ça va marquer votre taille et ce sera également magnifique. Vous pouvez tout à fait enlever les bretelles. C'est la robe indispensable pour l'été. Pourquoi ? Parce que vous n'aurez pas les marques des bretelles pour le bronzage, les filles. Donc moi, je suis très accro à ce genre de robe. Vous pouvez aussi la baisser, retourner le smoke et la porter en version jupe. Je vous montre quelques vestes qui vont bien avec. Donc je reprends la kaki que vous a montré ma chère Miss Carole. Elle est déjà prête, Carole. Donc, voici avec la veste kaki. Et puis, l'astuce, donc vous voyez, je la porte en taille S. Donc, ça taille bien. Et il me faudrait plutôt M pour la porter comme elle a été imaginée par le bureau de style. Et puis, si je mets le O en bas, eh bien, ça va me permettre de porter la veste comme une petite étole en version plus courte. Et quelquefois, vous voyez, c'est plus sympa de le porter court. Alors moi, si je le porte, là c'est en S, mais si je le porte en M, ça va mieux se positionner sur moi. Et donc, voilà, je vais laisser la place à ma Carole qui est prête. Je reviendrai avec d'autres vestes, toujours avec cette robe. Comme ça, ça change un peu. Et voilà. À toi l'honneur. Regardez comme elle est belle. Babette. Alors là, je vais rester dans l'esprit des robes longues. Et là, on va partir un peu en vacances. Ça fait tout à fait estival, on va dire. Donc, je me rapproche un peu pour que vous puissiez regarder le motif. On est dans un ton écru avec des ramages un peu de toutes les couleurs. Donc, c'est super gai. Elle est très agréable. Elle a un col en V. Moi, je l'ai mis en ceinture derrière le dos. Mais vous pouvez, je pose mes accessoires que je vous montrerai après. Vous pouvez tout à fait la mettre devant aussi, si vous voulez. Voilà. Et dans les petites ceintures, on a des perles. C'est très joli. Donc, vous avez une petite perle qui est là. Hop, vous avez une petite perle qui est juste dans le décolleté. Et puis, vous avez des petites perles qui sont sur... Attendez, j'ai un problème sur... sur mon... Hop, ouais, j'ai un problème sur mon téléphone. Non, il faut toucher à rien. Non, mais ça revient. Ok, bon. C'est une grande première pour moi. Donc voilà, donc je vous disais, vous pouvez donc attacher, tu vois, ça s'est remis. Vous pouvez attacher devant ou derrière la ceinture, comme vous le sentez. Hop, je la rattache derrière. Hop là. Vous avez de jolies fentes sur le côté. Alors, deux petites secondes, les filles, il faut que tu relances ton live. Tu as dû arrêter le live, je pense. Donc, tu retournes. Hein, on apprend en faisant, hein. Oui. Ne jamais supprimer. Ne jamais publier. Voilà. Et tu te remets en live. Tu relances un live numéro 2.
tu règles ta petite lumière, le machin, l'outillage, vous à avez... droite, le petit outillage, tac, 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 et voilà, et tu appuies au milieu, et lancer en direct. Ah non, voilà, voilà, ça y est. Ah, on apprend en faisant. Désolée, désolée. J'en étais où dans ma petite robe? Donc, je vous disais qu'elle avait des jolies petites fentes sur le côté. Elle est juste, voilà, super magnifique. Alors, celle-ci, elle est aussi en édition limitée. Vous avez pu voir, je pense, déjà des publications hier. Elle a été sortie en turquoise. Je ne sais pas si, Babette, tu peux nous la montrer sur ta petite oui, tablette. Oui, je l'ai, je l'ai. Voilà. Et en turquoise, elle a voilà, un panache. Vous avez voilà, strictement la même dans les tons turquoise. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Voilà. Donc du coup, ben, moi toujours pareil, hein, cette petite robe, elle est super belle. Vous avez donc des manches courtes. Si en fin de journée, il fait un petit peu frais, on peut toujours l'associer avec une petite étole. Chez Captain, il y en a pas mal. Elles sont toujours très jolies. Voilà, hop, une petite étole dans les tons... écru. Voilà, voilà, voilà. Je vous montre derrière. Hop. Et puis, allez, soyons fous. Je vous montre le petit sac aussi, écru. C'est bientôt la fête des mamans. Franchement, il y a des petits cadeaux sympas. Et voilà. La tenue Babette est en train de régler mon téléphone parce qu'a priori, j'ai appuyé sur bon, n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Ce sont les aléas du direct, les filles. Absolument. D'ailleurs, tu t'es pas... Ah bah si, tu t'es... Non, tu t'es pas changée. Eh bien, oui, voilà. Donc, du coup, ma copine, alors, qu'est-ce... t'en es où? Eh bien, j'ai presque fini, moi. Allez, va te changer. Mais non, parce que je montre mes vestes. Ah oui, c'est les vestes. Bon, bah écoutez, alors, moi, je vais changer de tenue. Voilà, je vous ai montré la deuxième robe. Je laisse la place à Babette pour bah, continuer au niveau des vestes. À toi. Alors, donc, je reviens toujours avec la même robe et je vous montre donc le petit veston. Ce petit veston, vous savez, moi, je suis très veston parce que ça marque la taille, je suis en H, donc du coup, ça va structurer. Je le porte en taille 40, donc bien sûr, je ne peux pas le fermer, mais si je le portais en 42, je prendrais trop d'ampleur au niveau des épaules. Donc, du coup, c'est plus pratique au niveau de le porter en 40. Le but, c'est pas de le fermer, c'est de l'ajuster ici. Si ma copine portait ce genre de pièce, elle l'aurait en 38 et elle pourrait le fermer. Il y a une petite jupe qui est proposée avec, c'est vendu ensemble. Voilà, donc un bon accessoire. C'est, avec les œillets, ça permet que le revers tienne bien. Et j'aime beaucoup avec cette robe. J'ai encore deux vestes à vous montrer. Alors, j'attrape... La veste de chez Little Miss Captain, la veste de chez Little Miss Captain, donc est couleur lavande. Et en fait, dans cette robe, il y a un petit peu de lavande. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est cintré, c'est élastiqué sur cette partie. Et du coup, ça va faire ressortir le côté lavande qui est dans la robe. Et vous voyez, ça donne un petit côté sportswear un peu rock. Et troisième veste. Alors, on a fait des choix hein, parce qu'il y a plein de choses qui vont avec. Donc, troisième veste, je l'attrape. C'est la veste en jean anthracite et donc nous avons plein d'élastane. Alors je dis un petit détail à ma copine Carole, en fait ton téléphone est en train de chauffer et il dit qu'il faut que la température baisse. Ah oh, mince. Donc on va, oui. On va se débrouiller sur le mien, ce sont les aléas. Il a un coup de chaud, il a chaud son téléphone, nous déjà on a chaud, alors voilà. Ben heureusement qu'on est sur deux téléphones. Donc il y a de l'élastane, c'est la fameuse veste dont je vous parle en permanence en jean, qui va avec tout. Bien entendu, la tortue, que vous pouvez tout avoir. Elle est trop, trop belle. Elle n'est pas chère. Je ne vous dis pas le prix, vous nous demandez le prix. Elle est comme du Swarovski, tellement elle est belle. Regardez. Voilà. Et ça va avec tout. Et avec cette robe, eh bien, c'est assez sympa. Ma copine, je ne sais pas si elle est prête. Oui. Si, ma copine est prête. Donc, voilà. Regardez comme elle est belle. Et voilà.
Là, on est encore dans un esprit un peu estival. C'est un vrai coup de cœur que j'ai sur cette combinaison. Voilà, vous avez des coloris très flashy. Je vous mets de plus près. Voilà. Vous avez un joli décolleté. Vous avez une petite ceinture élastique à la taille. Et vous avez un joli dos, décolleté. Qu'on peut très bien associer cette jolie petite... tout tombe, c'est pas... Cette petite combinaison, hop, on l'associe avec une petite ceinture. Tout de suite, elle prend un cachet, bougez pas. Hop, j'arrive à la refermer bien comme il faut. Voilà, et voilà, petite ceinture élastique. On a plusieurs tailles hein, sur les. Donc là, moi, je porte une taille 1. Qui correspond à du 38-40 à peu près. Elle taille très très bien. Elle a des manches très très fluides. Hop, elle est vraiment très très belle. Et vous pouvez très bien l'associer à un petit pull. C'est le même que le pull kaki. Hop, petit pull blanc. Voilà. Toujours avec les petites manches trois quarts. Hop, vous avez des petites poches, très fluides, hop, et voilà. Cette petite combinaison. Donc, elle est aussi, la petite combinaison, je vous la remontre, elle est aussi en édition limitée. Elle est dans un autre coloris. Ils l'ont sorti donc hier. Je vais sortir, bougez pas, je vais chercher la tablette. Je vais vous la montrer. Hop. Je vais vous la montrer. Elle existe aussi en noir et blanc. Elle est très très belle aussi. Voilà, c'est strictement la même, sauf que voilà, noir et blanc. Pour les personnes qui éventuellement n'aiment pas trop le côté un peu rouge, jaune, bleu, vert, ou ça donne la patate, mais bon, il en faut pour tous les goûts. Hein. Donc voilà, donc avec ceinture ou sans ceinture, avec des petites baskets ou des talons, elle peut se porter chic ou décontracte. Et ben voilà, ma bebette, elle est aussi, on est au taquet. Bon, hein. Je suis prête. Il y a des petits cœurs et des petits pouces. Hein. Il y a des petits pouces, vous l'aimez? Alors, cette combi, elle est trop, trop belle. Ouais, hein, un vrai coup de cœur. Moi aussi, je vais la prendre, celle-ci. Hein. Je la veux. Oh, t'es belle, ouais. Babette, là, aussi. Là. Bon, je vous laisse avec Babette, là. Alors, merci, Carole. Alors, moi, j'arrive avec ma robinette. J'adore les robes. Parce que quand on a des formes, eh bien, vous savez, en robe, c'est encore plus féminin. Donc, vous m'y avez vu il y a quelques temps avec des collants, des bottes. Eh bien, voilà, là, je la porte version un petit peu plus été. Il faut encore qu'on travaille le bronzage, les filles. Hein, parce que plus on est bronzé, plus c'est sympa. Sautoir maison, hein, donc, qui n'est pas de chez Captain. Mais vous pouvez mettre d'autres choses, bien sûr. Moi, vous savez que je suis très sautoir. La veste jean de Little Miss Captain. Donc, cette fois en version ivoire, légèrement rosée. Et comme il y a un peu de rose poudrée dans la robe, regardez l'imprimé, pardon. Vous voyez, donc, ça va bien ensemble. J'aurais pu remettre la petite tortue, mais j'ai pas eu le temps. Parce que la tortue, mais j'ai même envie d'en mettre un peu partout. Et voilà, c'est vraiment la robe qui est asymétrique, qui a une petite fente. Vous pouvez mettre aussi des baskets aux pieds blanches et ça marche très très bien. Donc je tombe la veste et pour que vous découvriez la robe. Alors bonjour à toutes les misses hein, que je vois, je vous reconnais. Donc là c'est un smock mais très très souple. Ce qui fait que vous voyez la fille qui a la taille marquée, hop, elle va ceinturer. Avec, par exemple, la ceinture que vous a montré Carole, donc que l'on va aller mettre par ici. Alors, sur moi, ça va pas être terrible parce que ça va faire ça des deux côtés, même si j'ai essayé avec l'autre taille. Mais c'est très joli aussi, pas ceinturé du tout. Et le smock, vous voyez, va se placer un peu plus sous la poitrine et descendre ici, donc ça va marquer un petit peu la cambrure, donc elle se suffit à elle-même. Elle est en voiture et elle nous regarde. J'espère, Patricia, que tu conduis pas, hein, parce que sinon on est mal. Hein. Une autre veste qui va bien, la même, toujours la même. J'ai pas d'action dans cette veste, mais je vous dis,
Moi, si j'étais vous et que vous devenez conseillère dans l'équipe, je ne vendrais qu'une chose, la veste en jean. Voilà, donc avec la veste, ben ça marche super bien. Alors, il y a plein d'autres choses qui vont de la collection. On a fait des choix parce que sinon, on serait tout le temps devant la caméra, on partirait jamais. Hein? Donc, cette robe, je la porte en taille... Hein? Je ne me rappelle plus. Est-ce que tu peux vérifier, s'il te plaît? J'ai un doute. 40, je crois, elle taille grand. On est en 40 là, oui. Voilà, on est en 40 et normalement sur une robe comme ça, je serais en 42. Cette année, 40 me va bien. Et pourtant, je n'en ai pas minci, hein, je vous le dis. Ma copine est toute belle en robe de cérémonie. Je la laisse parce que là, il faut la place que pour elle. Alors, vous avez vu, il y a eu une capsule cérémonie avec de très très belles robes. Moi, j'ai choisi de vous présenter la corail. Babette va vous la présenter en bleu aussi. Elle est juste magnifique. Elle est doublée. Elle est toute doublée. Hein. Voilà, vous avez donc un col en cache-cœur. J'ai trouvé mes mots. Vous avez des petites manches très fluides et en voile. Je vous montre le dos parce que la beauté est presque que dans le dos. Vous avez vu ce décolleté ? C'est juste magnifique. Donc, elle est longue. Hein. Je l'ai mise aussi avec le petit sautoir que je vous ai présenté déjà tout à l'heure. Parce que je trouve que il relève un peu le décolleté, qui est très, très plongeant. Donc, je réitère, hein, pour les personnes qui ont des poitrines un peu fortes, ça fait de très, très beaux décolletés. Moi, je n'ai pas beaucoup de poitrine, donc voilà, je ne peux pas... Mais vous verrez peut-être avec Babette tout à l'heure, le décolleté va être différent. Donc, voilà, elle est magnifique. Moi, je la porte... Là, c'est un 42, donc elle est... très grande pour moi, puisque moi je suis en 38 normalement, donc elle peut être un peu plus cintrée, voilà, mais bon, en soi, ça le fait, hein, quand même, hein. Donc voilà, donc là elle est en corail et écru. On peut éventuellement aussi l'associer avec le petit gilet blanc, vous savez, toujours pareil, hein. Bon, elle est chic, hein, la robe, mais on peut casser un peu le style avec le petit gilet blanc, voilà. Et puis, vous pouvez la porter soit avec des petites tennis ou soit avec des chaussures à talons. Voilà, vous choisissez votre style. Hein. C'est ça l'avantage chez Captain, c'est que vous pouvez être chic ou décontracté avec les mêmes vêtements. Voilà, donc je ne sais pas si ma petite Babette, oui, elle est... Ah, voilà, elle arrive. Accrochez-vous. Hein. Accrochez-vous. T'es magnifique. J'adore cette robe. Alors là, les filles, c'est le catwalk. Wow. Voilà, on a envie de bouger, on est sexy dans cette robe, les filles. Hein. Donc, j'ai un soutien-gorge bustier pour pouvoir jouer avec l'épaule. Hein. Et regardez comme cette robe est belle. Aujourd'hui, j'ai des chaussures, assez cool, mais avec une chaussure, pourquoi pas, d'une couleur de la robe, je m'approche, regardez les belles couleurs que l'on vous propose. Hein, donc cette année, alors Patricia, entre-temps, je suis revenue, elle est passager. Anne-Marie, elle est en télétravail, donc elle a les deux écrans. Josette, elle aime la robe. Alors je ne sais pas si c'est la robe de Carole ou celle-ci, mais là on est dans des tonalités chaudes de l'été, c'est trop trop beau. Et donc je viens de la recevoir, elle est resserrée un petit peu ici, vous voyez, il y a une petite pince là. Il y a une petite pince, je ne sais plus où, par là. Je regarde dans le miroir, c'est ça. Vous pouvez bien sûr l'ajuster et porter un soutien-gorge, pourquoi pas d'une couleur de la robe, ou un bustier, c'est plus joli, comme ça la robe dans le mouvement, elle va un petit peu bouger. Vous voyez qu'elle se termine en pointe et on a une ceinture qui est livrée avec. Là, je fais la belote en la mettant là et on peut se la mettre dans les cheveux. On peut, quand on a une taille très fine, serrer énormément. Et donc, les filles, des robes comme ça, hein, on n'en trouve pas toutes les 5 minutes. Et il y en a pour toutes les morphos, pour toutes les tailles. Donc, faites-vous plaisir. Elle ne va pas durer longtemps, celle-ci, je la sens bien. Donc, je tourne encore parce que Carole se prépare. Elle met les baskets. Hein, on n'avait pas prévu de mettre les lacets.
Mais je tournerai des heures avec cette robe parce qu'on se sent belle. On se sent belle, il y a de la couleur. Et voilà Carole qui arrive. Alors, chic, décontracte, elle est magnifique aussi. J'ai même fait une petite tresse là. Et bon, ben, je laisse ma place. Hein. Prenez la robe. Hein. Mais Carole, ça va être beau aussi et ça ne va pas durer. Ciao, ciao! Un petit jeu d'épaule. J'adore, j'adore. Voilà mon modèle, vous avez vu? Bon, oh, c'est allez. Trop beau. Moi, j'ai donc enfilé le jean. Voilà, j'ai changé de style. Donc là, c'est le jean clouté, taille haute. Donc, dans tous les pantalons Captain, vous savez, il y a de l'élastane. Donc, c'est une double peau. Hein. C'est vraiment des pantalons qui, on les sent quasiment pas. Et ben, j'ai un petit haut. Un double bimatière. Vous avez une partie lin et une partie coton. Donc là, j'ai choisi le côté un peu écru avec, alors ça, j'adore. J'adore la veste sans manches, ouverte, fendue sur les côtés. Avec, vous pouvez la régler. Donc vous avez des petits mousquetons. Je me rapproche pour que vous puissiez voir. Donc vous pouvez la resserrer ou pas. À votre guise, vous avez le petit col que vous pouvez porter en mode un peu rock si vous avez envie. Pas. Voilà, vous pouvez le rabaisser. C'est hyper léger, hyper classe. C'est, enfin voilà, moi je le porte avec le jean et des baskets, mais vous pouvez très bien le porter avec des petites chaussures à talons ou une petite jupe. Enfin, et la petite veste, elle se porte aussi sur des robes. Hein. Franchement, vous pouvez la manger à toutes les sauces. Le petit collier qui va bien avec. On fait une petite touche de corail pour surélever un peu la couleur écrue. Et quand on sera bien bronzé, franchement, cette tenue, elle va déchirer. Je vous montre le dos. Voilà. Et tu peux nouer les liens. Ah oui. Devant ou derrière. Les liens que vous avez. Ça, c'est Babette qui m'a soufflé, parce que je n'avais pas mon anti-sèche. Vous pouvez les nouer soit à l'arrière, donc pour recintrer votre veste, ou soit devant, si vous voulez éventuellement la fermer. Hop, la veste, bien évidemment. Voilà. Donc, bon, moi, j'ai pris le parti de les laisser fluides. Mais c'est vrai que derrière, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, pour le coup, derrière, c'est pas mal. Voilà. Voilà, les filles, ce que je pouvais vous dire sur cette petite tenue. Et puis, elle est prête, Babette. Mais là encore, oh, vous allez craquer. Allez, à toi. Alors, on passe du blanc au rouge. Là encore, les filles. Regardez, ça y est, cette combi dont on vous a fait rêver, eh bien la voici, elle est chez moi, elle est dans mon showroom et elle est sur moi, je ne la quitte plus. Donc, alors je vois qu'il y en a qui demandent si on peut avoir les prix. Dans les vidéos, les filles, on ne donne aucun prix. On va vous donner un lien boutique sur demande où vous prenez des rendez-vous parce que souvent, prix varie et nous, les vidéos, on les réutilise après. Donc, cette combi rouge qui est dans la ligne signature, cérémonie, que vous pouvez porter avec des escarpins, mais aussi avec des baskets. Et moi, vous voyez, je vais la supporter avec des sandales et mes boucles d'oreilles. Et on peut se la mettre aussi dans son quotidien. Donc, je porte une taille 2. Donc, une taille 2 élastiquée, vous voyez ici. Donc, dos nu. Je peux porter mon soutien-gorge bustier en dessous. Donc ça, on est confortable. On a une petite pression sécurisée, comme ça votre décolleté est bien placé. Et puis, vous voyez, c'est un plissé permanent. Donc ça ne bouge pas, ça craint rien du tout. Et elle est doublée ici jusqu'au genou. Donc là, j'ai des dessous noirs pour vous dire qu'on ne voit rien. Voilà, donc c'est la combi qu'aurait pu porter Marilyn Monroe. Eh bien, cette combi, elle est possible chez vous. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Elle vous plaît? Alors, si elle vous plaît, on a encore quelques tailles de disponibles. Et normalement, ce n'était pas prévu. Donc, c'est tout de suite maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant, les filles. Vraiment, j'ai une copine qui m'a dit hier soir, elle m'a dit « Oui, mais je n'ai pas d'occasion pour la mettre. » Habillez-vous comme si c'était le dernier jour de votre vie. Faites-vous belle. Si vous aimez, vous rayonnez. Si vous rayonnez, il y a plein de belles choses dans la vie qui vont vous être
réservées qui vont arriver. Et voilà. Hein. Donc, Carole est prête, dans une autre ambiance qui est très sympa aussi, pendant que j'enfile mon autre robe de soirée. Alors, je suis partie en soirée, oui. Elle, elle est en journée. Absolument. À toi, Carole. Alors, là, pareil, petite tenue décontractée. Elle est trop belle, ma bavette. Wow. Voilà, on a voulu un peu mixer tous les styles, parce que si on vous montre que des choses qui sont très, très chics, il y en a qui ne vont pas se reconnaître. Donc, voilà. Donc là, j'ai gardé le même jean que je vous ai présenté tout à l'heure, avec une petite blouse. Donc, chez Captain, ils aiment bien. Il y en a pas mal dans la collection printemps-été. Donc là, on est sur les tons un peu bleus. On est dans du bleu ciel avec du bleu marine. Et puis, une petite touche de corail. Donc, il y a toujours les petites fantaisies sur les épaules. Donc là, on a une petite broderie sur les épaules. C'est toujours très sympa. Je l'ai associée à une petite veste. Alors, ça aussi, c'est un coup de cœur pour moi. C'est cette petite veste. Elle est hyper légère. Mais alors, elle est facile à porter avec tout. Donc là, pour le coup, comme elle est dans les tons bleu ciel, elle va très bien avec le petit top. Mais le bleu ciel se marie avec beaucoup, beaucoup de couleurs. Donc, petite veste courte, pas forcément cintrée. Elle ne s'attache pas. Elle a une fausse fermeture. Et voilà, donc elle est hyper légère. Je la porte en 40 ans parce que moi, j'ai des épaules un peu larges. Donc, j'aime pas être étriquée. Mais elle taille super bien. Donc voilà, donc je vous montre l'arrière. Donc voilà, donc tenue décontracte, tenue de tous les jours, ça vous montre les styles différents qu'on peut faire chez Captain. Voilà, et ma babette est en train de se préparer encore une fois. Là, j'arrive. Vous allez encore vous envoler avec elle. Elle est terrible. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette petite tenue encore? N'hésitez pas, il y a encore du stock, hein, donc vous pouvez y aller. Allez, je vous laisse en compagnie de Babette. Alors là, j'ai fait un mixte. Magnifique. J'ai fait un mixte, ça y est, moi je suis dans l'ambiance. Hein. Je vous ai mis une robe de soirée et je l'ai mis avec des baskets. Je l'ai mis avec le cardigan en haut en bas kaki parce que si j'attends d'être invitée à une soirée, eh bien ça peut durer longtemps. Donc on peut se porter des robes comme ça de princesse dans son quotidien aussi, c'est vous qui décidez. Voilà, donc je m'approche pour l'imprimer. Ça brille de partout avec un reflet légèrement argenté. Donc je tombe la veste. Voilà. Et là, vous allez découvrir mon dos nu super bronzé avec la super marque du soutif. Donc, si vous voulez porter cette robe, travaillez votre bronzage avant et dégrafez le soutien-gorge quand vous bronzez pour que le dos soit impeccable. Parce que pour moi, voyez-vous, c'est mort. Alors, j'ai resserré jusqu'en haut. Je porte la robe en taille 42 et je suis bien dedans. Elle est nickel. Si vous voulez porter un soutien-gorge, il existe des soutiens-gorge très accessibles en prix pour spécial dos nu. On vous orientera, on s'est renseigné pour vous et nous, on ne les fait pas. Mais en tout cas, ça existe si vous souhaitez absolument porter un soutien-gorge. Ceci dit, je la porte en 42, je suis bien tenue. Je peux danser et ça ne bougera pas, tout est en place. Donc, tant que je n'avais pas reçu la robe, je ne pouvais pas savoir. Mais là, je vous assure. Et alors, quand on est au soleil, je ne sais pas où est le soleil, ça brille. Hein, donc, c'est une robe très agréable. Voilà, elle vous plaît ma petite robinette? Hein, donc, Captain qui nous fait des robes de soirée, cocktail, garden party, cérémonie, eh bien, c'est hyper rare. On en est où? Allez, dernière tenue pour moi. Ouais, peut-être tu as encore une autre. Ah, ou peut-être encore une autre. Bon, en tout cas, c'est la dernière que j'avais sur porton. Alors, je suis restée décontractée toujours, mais c'était pour vous montrer qu'il y a des petits chemisiers aussi chez Captain. Il n'y a pas que des robes, des combis. Vous pouvez aussi avoir le petit chemisier fluide tout en voile. Alors, voile et macramé. Ils adorent aussi chez Captain. Mélanger les matières. Donc là, on est dans des tons bleu, rouge et cru. Il existe aussi en vert, dans les tons verts. Il est très, très joli aussi dans les tons vert kaki. Voilà, donc là, moi, j'ai une taille 38. Une taille très bien. Voilà, franchement, c'est... hop, je vous montre le dos. Et voilà. Et donc, des petites blouses comme ça, vous en avez pas mal chez Captain. Vous connaissez, hein, voilà, je ne vais pas vous faire
la déballe des catalogues. Mais elles sont très très agréables parce qu'en dessous, vous avez le petit top. Je vous le montre, hein, le petit top, ce qui fait que vous pouvez rester en voile. Y a pas, le voile est transparent, mais avec le petit top, on ne voit rien. Voilà, et donc je vous dis, dans les tons kaki, il est aussi très sympathique. Mais moi, j'aime bien le bleu. Donc, le bleu et le rouge, voilà. Voilà, voilà. Donc, normalement, c'était la dernière tenue, mais on ne sait jamais. Là, par contre, Babette, elle va de nouveau vous étonner. Je la vois se préparer. Elle prend son dernier accessoire. Et, attention, je laisse la place. Je vous laisse avec Babette, parce que là, franchement, encore une fois, elle déchire. Je dégage. Bah donc moi aussi, c'est ma dernière tenue. Ben voilà, ah, on l'avait dit. Donc, vous avez vu Carole, comme elle était belle dans cette robe. Eh bien, ben moi aussi, elle me va. Magnifique, c'est vrai. Alors, au teint, là, je triche un peu parce que j'ai mis du foncé. Tout dépend. Quand on bronze bien, elle va ressortir. Mais les blondes, effectivement, c'est très joli, cette couleur corail. Alors là, je casse le chic de la robe. Je mets le petit foulard qui rappelle les teintes de la robe. J'ai mis carrément mes baskets. Et comme ça, je peux me la mettre pas qu'au mariage. C'est parfait. Hein? Elle est magnifique, cette robe. Franchement, n'hésitez pas. Voilà, donc vous avez vu tout à l'heure qu'il y a le dos nu, je peux vous le remontrer sur moi, toujours pas bronzé. Un petit peu quand même, voilà. Hein, il y a un peu la marque du soutien-gorge. Ah, hein. Il y a les cheveux, oui, donc voilà. On voit. Magnifique. Ah oui, oui, on voit, oui, il est magnifique. Oui, oui. Ouais, magnifique. Et je la porte toujours en 42, hein. Donc elle est vraiment très très sympa. Ouais. Et moi j'aime bien quand elle est sur Carole, c'était beaucoup plus jolie version... Très chic. Oui, c'est différent, mais c'est pas plus joli, c'est différent. Nos ados vont adorer, ouais. Viens avec moi, comme on termine. Nos ados vont adorer ce style, parce qu'elles, elles vont vraiment le porter avec des baskets, ouais. Des Converse, et aller à des mariages comme ça. Hein. Donc, et on parle pas prix, mais franchement, pour des robes de garden party ou quoi, c'est tout à fait correct. C'est très abordable, absolument. Hein. Eh bien, écoutez... J'espère que ça vous a plu, surtout... qu'on vous a amusé une petite demi-heure, parce que nous, en tout cas, ça nous a vraiment plu, on s'éclate à faire ça. Donc, dites-le nous, surtout, faites-le nous savoir. Voilà, dites-nous quelles sont vos tenues coup de cœur, print écran si quelque chose vous plaît, et on vous renseigne sur la tenue, sur le prix, sur tout ça. Vous pouvez demander également à l'une de nous deux le lien boutique pour découvrir des photos de face, de profil, de dos. Bon, ce sera moins joli que sur nous, hein. Ah ben, on est des modèles au top, nous. Attends, on n'est pas bien centré là, il faut qu'on aille où ? Il faut qu'on aille par là, voilà. Et donc... vous avez envie de vous amuser comme nous, eh bien, vous nous dites « Je veux rejoindre cette super équipe ». Vous êtes inscrite en 3 clics, c'est gratuit. C'est facile. Et vous allez vous amuser comme nous. Et donc, on fait et du virtuel comme aujourd'hui. Oui. Mais là, tout à l'heure, ben dans 2 heures, ou même peut-être bientôt, on ne sait même plus quelle heure il est, on va repasser dans la vie réelle avec des clientes qui n'habitent pas très loin. Mmh. En individuel, en atelier mode, mais avec vous, on est connectés aussi et on restera toujours connectés. Absolument, c'est que du bonheur. Voilà, c'est une première pour nous, donc vraiment donnez-nous votre sentiment. Vous avez aimé, pas aimé, c'était long, trop long. Vous préférez la blonde ou la brune? Ou les deux. Ou les deux. Pour le même prix. Allez, on va les laisser. Parce ouais. Bon après-midi à tout le monde et à très vite. Bye ciao, bye. Ciao. Merci les filles, à très vite.